sur le sable. Regardez-moi ce temps là qu'on a ici en Australie, on n'a pas ça en... C'est une super plage hein. En mes régions françaises comme on dirait. J'adore. Regardez-moi cette... Bon bah les gars, par contre c'est décidé, demain on reste là. C'est décidé, demain on revient là. Par contre faudrait peut-être... Ah oui. On avance pas vite hein. Mais on avance, c'est bien. C'est clair. Parce que le sable est... Ça plaît pas dur. Ouais, donc au final, on teste le yacht là sur le sable. Passe là, mec. Là, les dunes. Ça rigole pas. En plein désert, l'erreur est fatale. Là, tu restes à cette allure là. T'accélères surtout pas plus. Mais penche-toi aussi, penche-toi. Allez Samina Seri, tu peux le faire. Allez. Richard. Oui. Oui. Il est là le meilleur. Allez, on court. Génial, un peu frais, on a réussi à se baigner et c'était génial. Voilà, ça fait personnellement, je suis levé depuis samedi 3 septembre, 5h37, et on est le dimanche 4, 13h30. 13h35 précisément, et on n'a toujours pas dormi. Et ce soir, on va essayer de faire pareil. Parce que l'Australie c'est tellement bien hein, mon Christo. C'est cadeau. Pourquoi on dormirait? Faut profiter un maximum. Pas le temps de dormir. Sommeil, perte de temps. Allez toi, mais range-toi. Va falloir qu'on creuse. Hello, dis-toi qui voulait faire du sport. Là-bas ça devait être fun, on s'aperçoit que c'est compliqué techniquement. Non, ça sert à rien de faire ça. Putain, on va se faire avoir. C'est quelle roue qui veut pas tourner là? Encore les gars, allez! Ouais, allez encore! Là le 4x4 il est... On est enterré! 4x4 enterré! Strap, c'est quoi ce strap? You don't have a tie rope or a strap or anything? So pull the car? Ah, tu... Tu fous dans la voiture. Non, un truc pour tirer la voiture, un câble. Allez, Non, on a rien, les gars. On est pas ici. Il y a toujours un truc comme ça. Donc là, on creuse. Hé, Rémi, c'est pas fait, là. En fait, on perd de l'huile parce qu'il y a un effort. Le moteur, il work hard. Ah oui, c'est ça. Mais after on the road, we need to. Tu peux parler français, mais. Il est mangé alors. Et l'équipe, c'est le début de la journée. Début des vidéos. Ah mon salaud. Oh.
Il y a l'armée Flo. Je suis broke. Broken. I'm broken. Florian, l'homme qui dort. Break. Avec une casquette. Break. Break comme breakfast. Eggs and bacon ce matin. Yes. Ah ouais. C'est la base obligée. C'est la base. Rémi, bien dormi ? Ouais, ça va. Et donc, du coup, on s'est arrêté dans un petit motel sympathique à Muselbrook. Donc là, on a pu bien récupérer, enfin, du moins un petit peu, quoi. Recharger nos batteries. On s'est levé, il est 7h du matin. On va vous montrer un petit peu la vue. 8h20. Ouais, 8h20. Putain, 36 000 trucs. Petite vue au réveil. Et voilà. Donc là, le programme de la journée. Donc là, le programme de la journée, ouais, on va aller faire tous nos papiers. On va aller, enfin, pour Rémi et Christopher surtout, donc ouverture aller à la banque. D'un compte bancaire. Faire le tax file number ce matin. Et puis manger surtout, essayer de trouver un endroit où on peut manger correctement. Et un maximum pour pas trop cher. Bah, le tax file number, oui, après on va le commander sur internet, c'est vite fait. Mais surtout ouvrir le compte bancaire et faire les changements de propriété de... Du 4x4. Du 4x4. Et puis voilà, et ensuite bah, on passera... Acheter un forfait téléphone. Oui, ah oui. Ça c'est important, parce que ça fait deux jours on vit sans wifi, sans rien. Sauf au McDo, on est abonné là-bas pour être branché sur le secteur informatique. Et donc je pense qu'on va aller se faire plaisir un petit peu dans la Hunter Valley. Du coup moi je vais en profiter pour montrer aux gars leur premier kangourou, parce que mine de rien ça fait une journée et demie qu'ils sont là, ils n'ont pas encore vu un kangourou, pourtant on a fait peut-être 500 bornes. Ouais, ouais. Donc ils n'ont pas vu encore un kangourou, donc je vais leur montrer ça, quelques wombats, tout ce que je vais pouvoir voir. Je sais pas combien on a roulé, mais dites-vous, depuis qu'on est arrivé, on a déjà niqué un plein du 4x4. Donc c'est quand même, on était en 24 heures, on a quand même pas mal roulé. T'as oublié de dire qu'on attendait en rond aussi quand vous êtes perdu. C'était Florent Nagel qui était là depuis 3 mois, mais attention, il a réussi à se faire quand même. C'était Rémi qui dormait 1h30 dans le 4x4 et puis qui... Alors le gars il dort, je conduis. Attends, je vous l'explique parce qu'elle est épique. Je vous la refais. Rémi Lodé quand il dort. Oh putain. Oh, je me suis vu à gauche. J'ai pas de volant. Oh. Du coup il a flippé parce qu'il s'est dit qu'on roulait à gauche. Il s'est dit merde, c'est pas normal, et puis il avait pas le volant. Donc, voilà. Sinon nous bah, le temps qu'on était en petite pause wifi là, on a profité avec Flo, on s'est improvisé chanteur. On aime voyager entre frères. Ensemble on fait le tour de la terre, oh yeah. À pied c'était trop la misère. Avec le U-Stop la galère, oh yeah. Ce petit air nous va très bien.